Ah, le problème, c'est Harpalcorn et compagnie. Hein. Allez. De type O. Bon, je pense qu'on va virer le hentai. Les 7 sont moins bons qu'en série 4. C'est les mêmes pour la plupart. Mais il y a des semis. Après, ils allaient pas mettre un set de ouf à Entei. Soit pour Meganium. Allez. Allez, lead Pokémon. Oh. Nice, 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 nice. Ah, c'est pas le même set. C'est pas le même set. Salak Berry. Oh, on a que 180 d'attaque. Ok. On va commencer par séisme. Ok, malédiction, maintenant on fait giga sensu. En boucle. Pas amnésie, pas soin, pas amnésie, pas soin. Pas repos, pardon. Ça fait repos. Amnésie. Ah bordel, là ça va commencer à être compliqué. Ok. Il y a encore deux poké. Oh, hein, pas oublié. Dégâts de recul. Ça veut aussi dire qu'il fait pas repos. Ok. Un petit crit. Ah, please, tu fais chier là. Pas qu'il fasse repos. Enfin, ouais. Oh non, il fait en boucle, please. On peut drop avec Shadow Ball, mais il va se récupérer trop vite avec Amnésie. Est-ce qu'on peut PO si c'est repos? Ça me paraît compliqué. Ok, j'étais pas sûr que ça termine. Plus giga sensu. Ah, pas ça. Je sais pas si je reste. Est-ce que je reste? Ce qui loupe. Voilà, Chesto, cela dit. Oh non, pas ça. Il a loupé les empalcornes. Il a loupé toutes les empalcornes. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Heureusement qu'il a pas fait vol miroir. Mega kick. Qui tue en un coup? Ça pose question ça. Il y a peut-être. Si tue en un coup. Ah, il a sûrement le bord de choix. Donc on peut pas envoyer Kingdra. Ça loupe, méga kick, et on tue. Nice. Ah, il est physique. Let's go, il fallait pas se faire crit là-dessus. On connaît le set, on l'a déjà vu à la tour. Séisme, ballon, danse Draco. Je crois qu'il a danse Draco. Allez. On prend soin en perte. Je vérifie que j'ai pas fait une bêtise. C'est bien Meganium qu'on switch pour soin en perte. Non, là, le plus chiant, c'est Ludicolo. Et encore, en vrai, il peut gagner face à Ludicolo. Hein. Non, c'est pas si dramatique, je pense. Ah, le problème, c'est Harpalcorn et compagnie. Hein. Est-ce qu'il faut faire des premiers dégâts? Ou est-ce qu'il faut faire malédiction? Je pense qu'avec les probas, le plus intéressant, c'est de faire une malédiction et de bourrer après, je pense. Non, mais Quick-Claw, Shirkol, ta daronne! Ok, il n'y a pas de Chesto.
C'est perdu, mais c'est la vie, il faut aller de l'avant, et je n'abandonnerai pas, je continuerai à le faire toujours au niveau 100, parce que c'est plus difficile, en solo, parce que c'est le défi le plus brut, on va dire. Je continue l'usine de combat en ce moment, venez sur les lives pour, voir me, pour venir me voir souffrir, pouce bleu sur la vidéo, évidemment je compte sur vous si vous êtes nouveau, on s'abonne à la chaîne, à bientôt pour une nouvelle vidéo des prochains lives, salut tout le monde.